Vocabulaire maternel vise à développer le langage des enfants grâce à un apprentissage systématique du vocabulaire et des formes syntaxiques. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu que mes élèves aiment beaucoup. Ils peuvent jouer à deux, en autonomie, après bien sûr une séance collective pour expliquer. Alors pour ce jeu, il y a un petit peu de matériel à préparer. Vous avez besoin des scènes illustrées que vous pouvez trouver dans le classeur et des cartes qui se trouvent, que vous avez téléchargées. Donc cette scène et les cartes qui vont avec, vous devez les imprimer en double. Donc ensuite, moi, j'avais découpé le blanc autour des cartes pour ne laisser que les objets ou les animaux sans le blanc autour. J'avais plastifié, mais pas forcément obligé de le faire, c'est à vous de voir. Une fois que le matériel est préparé, il suffit de placer les enfants face à face, chacun devant une scène. Alors attention, les deux enfants doivent être séparés. Alors moi, j'avais mis un carton, à vous de voir comment vous pouvez faire ça. Et donc, il ne faut pas que chaque enfant puisse voir la scène de son camarade. Donc, dans l'exemple que je vais vous montrer, j'avais utilisé les animaux de la ferme. Donc, l'un des enfants va placer les animaux de son choix sur le décor devant lui. Puis, une fois que c'est fait, il va devoir nommer chaque animal et décrire à quel endroit il l'a placé pour que son camarade puisse recomposer son décor à l'identique. Donc je vous laisse un peu écouter ce que ça peut donner avec deux vrais enfants et mes élèves en l'occurrence. Un lapin se trouve dans l'herbe à côté de la maison rouge et jaune. Donc c'est un jeu qui les oblige à être clairs dans leurs consignes afin d'être compris de leurs camarades. Et ça les oblige aussi à utiliser le vocabulaire spatial comme à côté, devant, derrière, etc. Et une fois qu'ils ont un peu joué, il est intéressant de lister ce vocabulaire avec les élèves afin de leur permettre de varier leur manière de décrire chaque position. Une vache qui est dans l'herbe, qui au fond, vers la barrière au fond, et ça se trouve où c'est les arbres. Qui est sur les buissons devant la barrière. Voilà, j'espère que ce jeu plaira autant à vos élèves qu'aux miens, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Vocabulaire en maternelle, une solution complète pour toutes les activités de langage en maternelle.